Je vous suis. Ah. Passez devant, je vous suis. Vous voyez, la terminologie correspond clairement à l'ère première, voire à une période antérieure. Oh. La pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous n'êtes pas comme ces brutes que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Vous voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambellan, Avenici. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Mon associée ici présente sera enchantée de voir votre travail. Elle en a découvert l'emplacement, mais a toujours refusé de me dire comment. Ainsi, vos informations étaient justes, et nous remercions notre camarade de l'avoir trouvé pour nous. Vous avez trouvé ça au tertre des chutes tourmentées? Bravo. Envoyez-moi un exemplaire. Taranga! Pas maintenant. Pas maintenant. Ainsi, Rillette me dit que vous venez de la tour de Gay West. Oui, seigneur. Dites-lui ce que vous m'avez révélé au sujet du dragon. C'est vrai. Nous l'avons vu arriver par le sud. Je n'avais jamais rien vu d'aussi rapide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il attaque la tour de guet? Non, seigneur. Il ne faisait que décrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. J'étais persuadé qu'il allait m'attaquer. Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous l'avez bien mérité. Irilette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Rillette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenici que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Je devrais vous accompagner, j'aimerais beaucoup voir ce dragon. Non, je ne peux pas risquer de vous perdre tous les deux. Il faut que vous restiez ici à trouver des moyens de défendre la ville. Dès que le reste des hommes se sera rassemblé. À vos ordres. Une dernière chose. Bonne chance. J'espère que vous arriverez à temps.
suis de sortie, mon chou. La jument pavoisée peut bien se passer de moi quelques heures. Aucun signe du dragon pour le moment, mais tout porte à croire qu'il... Et ici, je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux, mais nous devons découvrir ce qui s'est passé, et si ce dragon rôde toujours dans les parages. Dispersez-vous et partez à la recherche des vampires. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. Retournez-y, il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor, qui essayaient de s'enfuir. Où est le dragon? Vite! Je l'ignore. Que Kinaret nous garde, le revoilà. Le voilà. Mettez-vous à couvert. Ah c'est ça, casse-toi. C'est ça, vas-y, vas-y, crash du fire. Ordonnez la musique. Je
dragon en bord de ciel, les enfants de dragon tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. De quoi parler ? Dans ce cas, je m'en fous. C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tiber Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu dire que Tiber Septime. À cette époque, il n'y avait pas de dragon dans les cires. C'est la première fois qu'il revient depuis. On vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez d'où vous venez. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout
Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Comment vous sentez-vous? Vous m'avez l'air un peu malade. Ah, vous voilà enfin. Bien, le Jarl vous attend. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Les Grisps. Que s'est-il passé à la tour de garde? Le dragon était-il là? Je savais que je pouvais compter sur Irilette. Mais il doit y avoir... Alors c'est vrai. Les maîtres de l'art de la voix. On dit que l'enfant... Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre... N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blancherive? C'était la voix des Grisbardes qui vous demandait de venir au Haut Rodgar. Cela ne s'est pas produit depuis des siècles au bas mot. Pas depuis que Tiber Septime en personne a été invoqué alors qu'il était encore Talos d'Atmora. Du calme, Rongar. Qu'est-ce que ces histoires de Nordiques ont à voir avec cette personne? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Des balivernes nordiques? Espèce d'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du premier empire. Il ne
Mais faut pas être aussi dur avec Avenichi. Je suis le chambellan du Jarl Balgruf. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que c'est que... Vous avez rendu un grand service à ma cité et à moi-même, enfant de dragon. En mon droit de Jarl, je vous nomme Tan de Blancherive. C'est le plus grand honneur que je... Lydia vous fera office du Skarl pour veiller sur votre demeure, et je vous offre cette arme de ma propre armurerie, qui vous servira d'insigne de fonction. Je vais également prévenir mes hommes de votre nouveau statut. Il ne faudrait tout de même pas qu'ils vous traitent comme le reste de la plèbe. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Ce sont les affaires des Grises Barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les Grises Barbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfant de dragon, qui sommes-nous? Vous feriez bien d'aller au bout de 15. Encore là. D'accord, de quoi s'agit-il? Vous avez encore besoin de moi? Je suis derrière vous. Que voulez-vous que je porte? Allons-y. Le Jarl m'a demandé d'être votre Huskarl. C'est un honneur de vous servir. On dirait que quelqu'un vous accompagne déjà. Encore là. Que voulez-vous que je porte?
retrouverez à Rorikbourg si vous apprenez quelque chose. Avez-vous des nouvelles de notre proie? Avez-vous des nouvelles de notre proie? Oui. Nous avons des plages chaudes, ceci des boissons chaudes. Ceci est une ode aux loyaux défenseurs de bord de ciel, les impériaux. Si c'est du travail que vous voulez, vous n'avez qu'à. On veut satisfaire son appétit. Hein? S'il vous faut autre chose, dites-le-moi. Huys et Christ Oison finirent dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent. Entrez-en. Nous avons des plages chaudes, des boissons chaudes et des lits douillets. Ouais, j'aime beaucoup ce travail. Vous plaisantez? Vous venez de me louer une chambre. Oh, bah ça marche toujours. Autre chose, dites-le-moi. Bonjour. C'est toujours un plaisir de rencontrer des compagnons. Bien le bonjour. Comment vous sentez-vous? Vous avez l'air un peu malade.
Allez, c'est parti pour la balade. Peut-être un peu fait le kéké là. Fait 30 euros, intéressant ça. Je le prends. Ah, je suis lourd. Oh. Non, ça va pas du tout. Putain, j'ai arrêté de comprendre tout ça, j'ai oublié de faire tout ça.
Alors, je suis à combien alors? En fait, on s'en fout. 60. Ouais, c'est bon. Salopard, bien bloqué. Ouh, il a fait intéressant celui-là. Ah, regarde ça. Voilà ce que les gars qui ont maintenant. Ah, bah voilà, il a l'air con, ça ressemble à quelque chose là. Oui, je peux, c'est mon roi, faut aller. Là-bas.
prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi, je l'aurai peut-être en réserve. Bienvenue chez la guerrière. Épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est déjà vu comme ça. En plus. Bonjour. Le ménestrel itinérant que je suis est à votre service. Oh, c'est bien ça, 43, c'est mieux que moi. Vas-y, je prends l'arrière, moi. La pierre, hein, je prends quand même un peu. Ouais, j'ai encore plein. Oh mon dieu Roger, qu'est-ce que tu es beau comme ça. Oh là là, tu fais peur. Tu es merveilleux comme ça. Bon. Voilà ce que je suis. Au plein. Georges. Georges. Je vous suis. D'accord, de quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose. Je ferme cette armure-là. D'accord. Merci, Georges. Autre chose?
Merde. J'ai une belle armure. Magnifique et marge, je m'occupe. Balance. Décide-toi. Décide-toi. Mais genre, ça one shot. Thank you.
nique. You, vas-y toi. Voilà. Un péage ici. Vous allez devoir donner, disons, 200 pièces d'or si vous voulez passer sur notre route. Route fort enculée, je te donne que dalle, moi. Quelle arrogance de la part de quelqu'un qui va se faire étriper. Quelle bonne surprise. Attention! J'ai hâte de voir ce que contient votre bourse. Abandonnez tant que vous pouvez encore. Thank you.
Hey Jean-Mich. Je vous suis. D'accord, de quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? D'accord. D'accord. Autre chose? Je sais pas, il y a un arc là, mais ça lèche pas. Encore là. D'accord, de quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? D'accord. 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 Autre chose. Et voilà.
Parkin, vous m'avez fait peur. Faites attention, il y a un nécromancien dans les parages. Pourriez-vous m'aider? Il est dans le tombeau, en train de faire je ne sais quelles horreurs avec les dépouilles de mes ancêtres. Vals Véran. Ma famille et moi avons toujours eu des différends avec lui. Mais il a dépassé les bornes. Il veut profaner notre tombeau familial et utiliser nos ancêtres pour ses rituels de nécromancie d'elfes noirs. Ma tante est allée à sa poursuite, mais elle n'est pas encore revenue, et je ne pense pas pouvoir l'affronter seule. Parfait. Je vais déverrouiller la porte. Venez me retrouver à l'intérieur et je vous suivrai. Il faut nous élancer à la poursuite de Vals Véran. Ah ! One shot. Qu'est-ce que je mange? J'ai pas mangé peut-être un autre truc, c'est pour ça peut-être. Il faut nous élancer à la poursuite de Vals Véran avant qu'il ne fasse plus de dégâts ici. Viens ici, toi. Ouais, mais non, il me one shot quand même. Allez copains, démerdez-vous, niquez-le. Voilà, je cherche que comprendre. Du corps. Putain, je vois rien moi. Hop. Ouais, c'est mieux comme ça. Quoi ça? Oh, c'est le corps de tout à l'heure, il est où quoi? Ah bah il est là. Oh, des pommes. Ça fait que ça. Alors... Oh. Avec une bière, putain, c'est nul.
M'aidez-moi à éliminer Val. Putain, mais en vrai, il est efficace cette offre. Ah bah je crois que c'est sa mère ou sa grand-mère, je sais plus. Non, Tantagna, Talos, pourquoi l'ai-je laissé y aller seul? Il a condamné la porte. Quelles atrocités est-il en train de faire subir aux dépouilles de mes ancêtres? Un jour, Agna m'a dit qu'il existait une chambre secrète où ils enterraient les membres de la famille tombés en disgrâce. Elle nous permettra peut-être d'atteindre la chambre. C'est parce que je vais prendre dans ce pas, en vrai. Jamais, je vois un peu pépère. Ouais. Ah bah oui. C'est bon. Forcément. Allez, c'est parti. Oui. Il y a une dalle piégée. Oui. Ah l'autre il one shot hein. Bon ça fait un peu trop chiant de l'avoir avec moi. Toi, je suis sûr que tu vas très vite, toi. C'est ce que je disais. Ah,
Ouais, si on regarde un peu où. Hein. Ouh, des araignées. Lui, ok. Ah, lui, pas mal, lui, par contre. Ah, bah, non, il était pas mal non plus. Je suis plein. Qu'est-ce que je peux dégager du coup? Ah, je sais plus. Rongé, mais bon, je vais mettre deux rongés. Rongé, tu vas reprendre des trucs. Tac, 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 tac. Voilà, là aussi, en cas où. Voilà. Bon. Encore là. D'accord, de quoi s'agit-il? Il vous faut quelque chose? Prends ça. D'accord. Prends ça. D'accord. Prends ça. D'accord. Prends ça. D'accord. Il en manque un. Il en manque un. Chose. Voilà. Vous avez trouvé le passage par le sarcophage. J'aime pas ça. Restons pas là. Ouh, c'est intéressant ça.
Allez, toi. Je cherche pas à comprendre. Ah putain, j'en doutais. Wow, one shot. Je l'attends quoi en gros. Putain, il fait vraiment le taf l'autre. Vas-y, c'est le taf. Moi je vais fouiller. Allez, on va taper ma copain. Là je l'ai aidé là. J'étais chill. Je dois un coup. Ah trop tard. Putain, je l'ai pas eu. Ouais, il y va. Soit je l'ai eu ou c'est celle que je l'ai eu, mais. Mal en poids quand même. Ouh, ça fait mal. Ça me saoule lui à se taper dans sa gauche en vrai. C'est eux qui l'ont eu, mais j'ai rien foutu. Attendez, comme ah, ça, je prends. C'est déjà. Ouais. Merci pour votre aide. Moi, je prends ça.
Ah là, pé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 p
Non, vas-y, je prends, je sais pas si ça sert à quoi, mais vas-y, je prends. Ça, je prends, je prends. Oh, je prends ça aussi. Ah, bah, mais j'ai bien aimé ces petits donjons. Mettre un piège pour deux pièces d'or, quoi. C'est débile. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos battles. Ah oui, merde, faut que je parle le plus con. Oui. Tout ce qui est en mon pouvoir. Après ça. Je vais sûrement. Merci encore pour votre aide. Ok. Ah merde, j'ai rien pour camper. Je ne sais pas pour qui. Je peux pas couper. Et ça. Cal, lâchez-moi. Oh, c'est je n'ai pas aller, de temps ouais. à perdre. Venez bien sagement et tout se passera bien. Je n'ai pas de. Est-ce que j'ai les trucs de tente? Tout ça dégage. Pouf pouf pouf. Non, j'ai raison, je pense pas que j'en ai pas. Dommage. Ouais, bon. Je pense qu'il est bien sagement et tout ce que je vais faire à 8 heures. Je n'irai nulle part. Maintenant, retirez-vous ouais, cette balle avant bon. Que je n'emploie la manière forte. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici, moi. Et je vais vous dire, oh là là, mais tout sur ce tranquillou. La prochaine fois que vous chercherez des noises, assurez-vous de vous adresser à la bonne personne. Voilà. Tac, voilà. Et ensuite, là, je vous dis plus.